Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne. Je profite de faire cette petite vidéo juste pour vous montrer ce que vous allez faire quand vous constatez que vous êtes en train de vieillir la peau du visage. Ok mes chéris, même si le cou, vous pouvez descendre à faire notre masque. La raison pour laquelle je vous fais cette recette aujourd'hui, parce que j'ai eu un commentaire à partir de l'Instagram et l'une de mes amours qui me dit. Elle a son copain la dépasse 3 ans de naissance. Et quand son copain publie la photo sur Instagram en disant que c'est sa fiancée, on pense qu'elle est plus âgée que l'homme. Ok, mes chéris? Or, ce n'est pas vrai. Donc, elle a la peau qui vieillit vite. Ok, mes chéris? Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer si vous avez aussi les mêmes problèmes. Que vous avez par exemple 25 ans et le visage que vous avez, c'est comme si c'était quelqu'un de 30 ans, 25, 26 ans. Alors, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Premièrement, vous aurez besoin d'une tomate comme ça. On va faire juste une petite quantité qu'on va appliquer aujourd'hui parce que notre masque n'est pas à conserver. Ok, mes chéris? Donc, je vais diviser cette tomate en deux et on va utiliser juste la moitié de ça. On va mettre dans notre blender. Ok, et on va utiliser la carotte. Voilà, ça c'est bien nettoyé. Ce qu'on va juste faire, c'est découper les petits morceaux comme ça. On aura besoin juste de ça, ok mes amours, qu'on va mettre dans notre mixeur. Voilà, et on va mixer ensemble. Ça, c'est les agents rajeunissants. Ok mes chéris, tomates et carottes. Je vais vous montrer comment on va faire les mélanges. Voici comment ressemble notre masque, comme ça. Et puis, on va prendre 2 cuillères d'huile d'olive. Ok, mes amours, c'est ce qu'on va utiliser. Deux, mes amours, et puis on va mélanger. On va faire le mélange de notre masque. Comme ça. Et laisse-moi vous montrer comment on va appliquer ça. Ok mes amours, je vais vous montrer comment on va appliquer notre masque. Ok mes chéris, voilà, là vous avez déjà lavé le visage, mon visage là est propre, j'ai juste lavé avec le savon et j'ai essuyé, je suis maintenant prête à appliquer notre masque, regarde. Et je vois que je suis en train de sacrifier mon truc ici parce que la couleur de ça et la couleur de ça, ça ne va pas aller, ok? On va essayer d'être un peu droite. Ça va salir les pavements. Voilà, ça va rajeunir la peau, mes chéris. Et huile d'olive là, même si vous n'avez pas mis toute cette histoire là, même huile d'olive, faites les massages des huiles d'olive là, sur les visages et sur les coups, parce qu'on ne veut pas que les visages restent jeunes et les coups sont en train de partir. Ok, mes chéris? Donc, faites les massages avec huile d'olive et même tomate, celle peut vous aider. Les jus de tomates là. Massez-vous la peau avec, ça rajeunit énormément. Ok mes chéris,
comme ça. Et ici en dessous, doucement, que ça n'aille pas dans les yeux parce que ça risque de chatouiller. Comme ça. Descendez jusqu'au cou. Moi, je ne vais pas le faire parce que je risque de gâcher la vie que je porte. Comme ça, mes amours. Surtout ici, sur les fronts, parce qu'il y a des gens qui commencent parfois à vieillir à partir d'ici. Ça commence à se faire comme ça. Il faut éviter. Il faut masser avec notre masque. Comme ça. Mes amours, ça va rajeunir le visage. Ça va rajeunir la peau. Les masques ici, ce n'est pas les masques mécaniques où vous allez dire qu'il faut faire seulement deux fois ou trois fois par semaine. Si vous avez le temps, vous pouvez les faire même quatre fois, cinq fois. Ce n'est pas mécanique. Vraiment. Donc, c'est les masques très doux là. Faites comme si vous faisiez le gommage pendant 5 minutes, comme ça, passez partout. Et puis, attendez 10 minutes. Après 10 minutes, vous allez laver le visage. Ok, mes chéris? Et je vais laver le visage et je vais vous montrer comment ma peau va s'ouvrir pour la première fois seulement. Premier tour. Maintenant, si vous faites ça 3 ou 4 fois par semaine, ça va beaucoup vous aider, mes amours. Donc, faites ça, les filles. Les filles vieillissent vite que les hommes. Ok, mes chéris, que les garçons. Les garçons, là, même si le garçon a 5 ans plus que toi, mais tu vas vieillir. Tu vas commencer à vieillir et lui est toujours là-bas. Voilà. Je vous laisse regarder les résultats. Ok, mes amours. C'est ça. Je viens de laver le visage. Quand vous lavez le visage après avoir appliqué les masques, vous utilisez seulement l'eau froide sur le visage sans savon. Il ne faut pas mettre le savon ou les gants. Ok, mes chéris, ne mets pas les gants ou les savons, juste l'eau. Prenez l'eau froide, lavez le visage avec et vous aurez besoin d'un papier comme ça. Ce que moi j'ai utilisé, c'est le papier serviette. Ok, mes chéris. Donc, vous pouvez acheter, vous pouvez utiliser n'importe quel papier que vous avez. Et si vous n'avez pas de papier, utilisez vos mouchoirs comme ça. Donc, on va essuyer l'eau de cette façon ici. Ok, mes chéris. Voilà. Voici les résultats de notre masque. Voilà. Le masque va vous aider à ouvrir la peau et à rajeunir la peau. Ok, mes chéris, c'est ça. Faites ça, mes amours, et vous allez vous tirer les photos et vous allez me dire si les commentaires comment vous avez trouvé notre masque. Tirez-vous les photos avant et après les masques 4 et 5 fois. Et tirez-vous une autre photo, vous allez voir que vous allez rajeunir, vous allez briller parce que l'huile d'olive là ça rajeunit et ça brille la peau. Ok, ma chérie, n'oublie pas de descendre sur les coups parce que les coups aussi commencent à se plier de temps en temps quand on commence à perdre la jeunesse. Je vous aime beaucoup. N'oublie pas de partager la vidéo et on se voit la prochaine vidéo, sans oublier d'aller me suivre sur Instagram RoseBeauty712. Si vous avez des questions, je suis là et je vous aime beaucoup. Bye bye!